Le fait de stigmatiser l'Afrique à ce point-là, est-ce que ça permet la promotion de la paix ? Alors, l'objectif, c'est déjà de répondre à cette invitation qui nous fait honneur de la part du Maroc à discuter d'un sujet qui est très important, qui est celui de l'image de l'Afrique. Parce que nous, on travaille sur le sujet depuis quelques années, parce qu'on est parti d'un constat très simple. L'image de l'Afrique, elle est très, très mauvaise en Occident, où nous sommes basés, en Suisse plus précisément. Et donc, il est important de participer à ce genre de rencontre pour montrer que les Africains peuvent changer les choses. Ils peuvent, communiquer de façon très positive pour montrer que l'Afrique, c'est pas exactement tout ce qu'on dit d'elle. Il n'y a pas que des maladies, il n'y a pas que des gens qui ne savent pas lire ni écrire, il n'y a pas que des femmes battues. Tout ça, c'est des clichés, c'est faux. Donc, ça existe, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de très bonnes pratiques en Afrique. Et le but de notre venue ici, c'est de demander aux médias, mais aussi à tous ceux qui ont petite influence, eh bien, de contribuer à ce que l'image de l'Afrique soit rétablie. La bonne image de l'Afrique. Voilà un peu le but de notre venue ici. Alors, le Maroc joue un rôle très important. Nous l'avons souligné le mois passé parce qu'on était à Rabat. On était invité lors de la remise des prix Ibtiaz. Donc, on était là. Et donc, on a vu que le Maroc avait un rôle à jouer, un rôle très important pour propager les bonnes pratiques. Et je crois que la volonté de Sa Majesté aussi démontre très clairement qu'il y a véritablement une dynamique de coopération entre le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara. Et je crois que le Maroc a tout un rôle à jouer, un rôle de leader, il ne faut pas se le cacher. C'est un pays qui a des avancées extrêmement intéressantes à différents niveaux. Et il serait bien qu'on puisse le savoir un peu partout, dans les médias, dans le monde entier, que le Maroc est en train de faire de très grandes réalisations.